Pour la première fois dans une négociation climatique, il y a dans le texte la possible sortie des énergies fossiles, la neutralité carbone, en référence aux travaux de la communauté scientifique. C'est un point extrêmement positif, mais pour que ça se traduise dans la réalité, il faut d'abord cesser les subventions aux énergies fossiles. Il est totalement absurde aujourd'hui de continuer à soutenir l'exploitation, l'exploration, la consommation du pétrole, du gaz, du charbon, alors que nous avons besoin d'en sortir. L'Union européenne, en tout cas les principaux pays de l'Union européenne, c'est plus de 8 milliards d'euros de subventions aux énergies fossiles. Cessons de subventionner ces énergies sales, subventionnons les énergies propres et ça créera plus d'emplois.